Il est libre, libre de voyager, de travailler, bref, libre de vaquer à ses occupations. Il s'agit de Bukalindao, le directeur de publication du journal Le Républicain. Le verdict est tombé, il a été acquitté ce matin à l'issue d'une audience au tribunal de la commune 4. Ses avocats ont tenu une conférence de presse juste après la proclamation du verdict. Khadija Toukouné, compte rendu. Enfin libre, Bukalindao, journaliste de son état au quotidien Le Républicain, peut désormais rejoindre ses confrères. Le verdict est tombé ce matin au tribunal de la commune 4. M. Ndao avait été accusé pour délit de presse et lors de son procès le 16 avril dernier, ses avocats avaient demandé la nullité du dossier à cause de l'absence de citation. Chose bien fondée qui conduit alors le tribunal de première instance de la commune 4 à déclarer nulle la poursuite engagée contre M. Ndao. Après la victoire, ses avocats ont tenu une conférence de presse. La presse doit rester mobilisée parce que malheureusement encore dans notre pays, la loi sur la presse regorge des infractions qui sont sanctionnées par des peines privatives de liberté et qui plus est, la détention préventive est encore en vigueur au Mali, ce qui n'est pas du tout normal en matière de délit de presse. Ce qui est arrivé au cas à M. Bukalindao pourrait arriver à n'importe quel journaliste tant que cette loi existera. Bukalindao étant le journaliste qui a fait le temps de détention le plus long depuis l'indépendance, se dit fier aujourd'hui. J'ai un sentiment de fierté de constater la mobilisation totale de tous mes confrères autour de ma modeste personne et pour la défense de la liberté d'expression. Donc, je suis satisfait, mais c'est une satisfaction partielle, parce que les poursuites contre ma personne sont annulées. Aucune liberté n'est octroyée sur un plateau d'argent. C'est au bout d'une lutte que nous arrachons nos droits. Les conférenciers ont affirmé que la bataille est gagnée, mais pas la guerre. Les journalistes doivent rester soudés pour préserver la liberté de presse.